Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tout ce qui l'habite. Quand nous regardons autour de nous, quand nous admirons la nature, nous ne pouvons que nous écrier « Dieu Tout-Puissant, que tu es grand ». Je vous invite à vous mettre debout et que nous puissions chanter ensemble. A aussi créé et il nous promet d'être avec nous tous les jours, de traverser avec nous chacune des situations de nos vies. Alors oui Seigneur, c'est à toi seul que nous voulons chanter, toi notre Rédempteur. Thank you.
Une vie d'église est une vie variée. C'est une vie en solitaire parfois, chez nous, au travail, à la maison, mais appartenant à cette communauté. Et puis le sabbat matin, plus particulièrement, nous nous retrouvons parce que c'est une communauté qui a besoin de rassembler ses membres, les membres de cette famille. Et puis nous chantons, et nous écoutons, et nous faisons. Mais rarement, nous faisons silence. Je crois que nous en avons parfois besoin. Simplement nous retrouver ensemble, mais seuls, face à notre communauté, face à notre Dieu. Dans nos prières, nous avons là aussi beaucoup à dire, mais surtout beaucoup à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Je vous invite donc à prendre quelques instants de silence, seul avec vous-même et avec notre Dieu. Amen. Évangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 5. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il les aima jusqu'au bout. L'amour est un mot que l'on prononce facilement. C'est quelque chose que l'on essaye de vivre aussi bien que possible. Vous connaissez le « je t'aime ». Qu'est-ce qu'on l'a dit, ce mot ? Combien de fois l'a-t-on exprimé à quelqu'un ? Combien de fois a-t-on trahi cet amour que nous étions censés prodiguer à l'autre ? Si nous essayons de revoir cette vie de Jésus simplement sur terre, sans parler bien sûr de tout ce qui nous est rapporté dans les textes bibliques, de ce qui s'est passé dans le ciel depuis notre création sur terre grâce au ciel, jusqu'à la rédemption par le ciel et pour la terre. Mais lorsque Jésus était sur la terre,
le nombre de fois qu'il s'est approché de quelqu'un. Le nombre de fois où les souffrances sont approchées de lui. Où lui a regardé, simplement regardé. Et un regard a suffi pour exprimer cet amour. Nos regards parfois suffisent pour exprimer notre colère, notre haine, notre supériorité. Lui, pas de regard de pitié, mais regard d'amour. D'amour qui fait renaître, d'amour qui fait grandir, d'amour qui ressuscite, d'amour qui donne une valeur à celui qui est là, sans valeur. Une femme, un enfant, un homme, une famille, une foule. Combien de fois a-t-il donné à manger ? Donné le pain de vie, donné de l'eau de vie. Toutes ces histoires vous reviennent en mémoire. Elles sont relatées dans les textes. Elles sont riches. Et ici, Jean nous rapporte un nouvel épisode où Jésus exprime jusqu'au bout l'amour qu'il a pour ces créatures mortelles, mourantes, sans espoir. Il les regarde et selon son habitude, il donne un enseignement, non pas tellement en parlant. Ce serait intéressant d'analyser aussi les textes pour voir combien de fois Jésus s'est tu. Rien dit, mais fait quelque chose. Et le faire de Jésus est une immense prédication. Là, lui, Dieu, se met à genoux. Il montre qu'il aime l'autre, qu'il le sert. Non pas comme un esclave, mais comme Dieu qui vient dire à l'homme, toi, tout seul, tu vas dans le mur. Tu ne peux pas te sauver. Il n'y a pas d'issue. Tu as besoin de mon service d'amour. Pour retrouver cet amour à donner et distribuer aux autres, en attendant l'amour du Père que tu pourras expérimenter durant ta vie éternelle. Il les aima jusqu'au bout. Et Jean nous rapportera une parole un peu similaire sur l'amour au chapitre 15. Jésus qui parle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. L'apôtre Paul a repris cette même image de l'amour lorsqu'il parle du rapport de la femme à l'homme et de l'homme à la femme dans le couple et où il dit que l'homme doit aussi aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Sommes-nous prêts à mourir pour notre famille? Jésus n'a pas hésité. Il a donné sa vie pour que sa famille puisse vivre. Nous sommes dans la joie ce matin. Malgré la tristesse de la croix, nous vivons les bienfaits de la résurrection. Et c'est ce que nous voulons vivre avec ces symboles qui nous rappelle des temps forts de l'amour du Christ pour l'humanité. J'invite donc celles et ceux qui souhaitent vivre cet acte d'amour, les uns vis-à-vis des autres, les uns pour les autres, à nous séparer pour quelques instants. Vous connaissez les lieux, la salle Tison pour les frères, la salle Explo pour les frères, la salle Tison pour les sœurs, et puis les salles du côté Salève, s'il y a des couples qui souhaitent aussi procéder à ce lavement des pieds. Pendant ce moment, nous remercions Inateia, qui se tiendra devant avec tous les enfants qui voudront bien venir auprès d'elle. Il y en a déjà qui arrivent. C'est le premier.
Bravo pour l'exemple. On va rester en bas. À tout à l'heure. Viens, viens à l'intérieur. Entrez. Serrez-vous, serrez-vous, serrez-vous. Serrez-vous plus. Viens dedans, venez dedans. Venez dedans, voilà. Allez, installez-vous vite. Allez, asseyez-vous. Bien, alors bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Ah oui, c'est mieux quand même, je me sentais seule avec Bédouine aujourd'hui. Hein. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est l'histoire d'un jeune garçon, d'un jeune homme plutôt, qui s'appelle Teva. Teva. Teva était un garçon très intelligent. C'était pas un garçon qui aimait bien sortir avec ses amis, c'était plutôt quelqu'un qui aimait bien rester à la maison avec sa maman. Et puis, ben voilà, faire des exercices. Il était très, très intelligent. Et puis voilà qu'un jour, le roi du village, qui n'avait pas d'enfant, convoqua tous les jeunes garçons du village à venir dans le palais. Alors, il y avait plein de garçons qui étaient dans la salle. Et puis, voilà que le roi vit tous ces jeunes hommes dans la salle et puis il leur dit, écoutez, voilà, vous savez bien que je n'ai pas d'enfant, voilà, il n'y a personne pour me remplacer. Et puis, en plus, je vais bientôt mourir, donc il faut quelqu'un pour me remplacer. Alors voilà ce que je vais faire. Et puis le roi descendit et il donna une graine à chaque jeune homme qui était dans la salle. Voilà qu'il donne une graine par-ci, par-là. Et puis il retourne devant et dit, voilà alors, écoutez-moi bien. Dans un mois, vous allez revenir ici même et celui qui aura la plus belle plante, la plus belle fleur, si jamais, c'est lui qui va devenir le nouveau roi, le futur roi. Alors tous les jeunes hommes, ben voilà, c'est quelque chose quand même. Sauf que s'ils étaient agriculteurs, devenir roi, c'est vraiment très, très, très important pour eux. Et voilà qu'ils rentrent. Alors Teva, lui, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi avec cette graine? Je ne sais même pas comment il faut planter. Bon. Je vais rentrer, je vais demander à ma maman quoi, si jamais elle sait, elle, planter, si jamais, voilà, est-ce que ça va pousser, enfin, je ne sais pas, je vais essayer de voir.
Et puis voilà, il rentre avec sa graine, et il parle à sa mère, il dit, voilà maman, il y a cette graine-là, je sais pas ce qu'il faut faire avec, mais apparemment ça va donner une belle plante. Donc si jamais, et si j'ai la plus belle plante, ben je vais devenir roi. Alors la maman le regarde et fait, toi, tu vas devenir roi? Eh ben dis donc. Et voilà qu'il fait, bon, c'est pas grave. Il allait chercher un petit pot, comme ça. Et puis il a mis un peu de terre dedans. Il a mis la graine au fond. Et puis après, il a commencé à arroser. Et tous les jours, c'était comme ça. Pendant une semaine, et puis voilà qu'il voit, il y a un tout petit truc qui sort. C'était pas des feuilles, c'était juste comme une petite racine qui sort de la terre, on ne sait pas. Alors il regarde, il fait, bon, ben, si déjà pendant une semaine, la graine elle a poussé comme ça, alors vous imaginez dans 4 semaines, je pense qu'elle doit être comme ça au moins, et je pense que ça va donner une belle plante. Puis voilà qu'il va, il continue sa vie et tout, pendant une semaine. La deuxième semaine, il regarde de son pot, il fait, c'est bizarre parce que ça n'a pas du tout bougé, c'est resté toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est resté comme ça? Normalement, ça doit grandir. Et dans mes calculs, j'ai vu que si ça grandissait comme ça d'abord, ensuite ça allait être comme ça, et puis après ça allait grandir de plus en plus. Bon, peut-être que je me suis trompée, mais bon, au moins, j'ai essayé. Alors, il va chercher. Et tous les jours, pendant 4 semaines, c'était comme ça. Mais voilà que quand il est allé dans un magasin, il rencontre les autres. Et eux, ils sont en train de ricaner, ils se disent, ouais, moi, en fait, ma plante, elle est déjà comme ça et tout, et ça donnait de belles fleurs. Donc, je pense que c'est moi qui vais être roi. Alors, Teva, il se dit, ben mince alors, si sa fleur est déjà comme ça, c'est que la graine que le roi m'a donnée, elle doit être toute petite comme ça. En gros, ça sert à rien que j'y aille. Et puis, voilà qu'il rentre, il dit à sa maman, écoute, maman, moi, c'est fini. Je ne vais pas être roi, ça c'est sûr. Donc, je ne vais pas aller. Alors la maman, elle dit, mais Teva, tu n'as même pas encore essayé. Essaye d'aller quand même. Et en plus, le roi t'a donné cette opportunité. Donc, on ne sait jamais. Teva, il fait, non, je ne crois pas que je vais aller, non. Mais Teva, écoute-moi bien. Tu vas aller quand même. Le roi t'a donné une graine. Tu ne vas pas faire ça au roi, surtout pas au roi. Teva s'est dit, bon, ok, je vais essayer. Et puis voilà qu'il va. Et dans le palais, quand il entre, il voit les autres avec de grosses plantes, magnifiques. Et lui avec son petit pot et son petit truc comme ça là, qui sortait. Il s'est dit, bon, ben là c'est sûr que ça soit déjà que j'ai perdu. Mais bon, voilà, on va rester là. Et voilà que après, ben, le roi, il commence à entrer. Il fait bonjour, messieurs. Alors tout le monde fier avec leurs plantes. Ils font, bonjour au roi, bonjour. Et puis le roi, il fait oh, mais c'est magnifique tout ça. Mais waouh, je savais pas que mes graines pouvaient donner ça. Alors les jeunes étaient ben, vous voyez au roi, comme quoi ce que vous nous donnez, c'est vraiment une richesse importante. Et le roi, il fait oui. Et puis voilà que le roi, il n'est pas très bien quand on le regardait. Donc il est descendu. Il alla regarder. Le premier, waouh, c'était la plus belle plante. Le premier candidat avait la plus belle plante. Et puis voilà qu'il fait ouais. Et puis il continue. Et jusqu'à Teva. Teva, il s'est mis carrément derrière pour ne pas qu'on le voie. Alors le roi, il va vers Teva, il regarde, il fait « Tu te moques de moi, là? Tu es venu avec ça ?» Et Teva, il fait bah, « J'ai essayé de faire grandir votre plante, mais elle n'a pas voulu grandir. » D'accord. Et puis voilà que le roi, il fait « Bon, bah, j'espère que je vais faire le bon choix. » Alors il va devant, il reste sur son trône. Et puis après, à un moment donné, il rigole. On ne sait pas pourquoi. Le roi rigole. Et puis, il regarde, il fait, bon,
Garde, s'il vous plaît. Allez chercher le jeune garçon qui est derrière, là-bas. Et Théva, il se dit, ah là là, là, j'en suis sûr qu'il va me décapiter, ce roi. Hein. Parce que là, je suis venu avec ça, c'est comme si je me moquais de lui. Et voilà que les gardes l'ont emmené Théva devant. Et le roi dit, écoutez, silence, s'il vous plaît. Alors tout le monde regardait le roi, il fait, oui. Et là, le roi, il dit, voilà, je crois que j'ai choisi le futur roi. Alors tout le monde était, ah bon ? Théva de côté avec les gardes, il s'est dit, oh là là, j'espère que le futur roi, il ne va pas être très méchant avec moi. Et le roi, il dit, voilà, celui qui est là, Théva, ce sera votre futur roi. Alors tout le monde s'est dit, ah non, c'est pas possible. Nous, on a les plus belles plantes. Lui, il n'a rien, il n'a qu'un tout petit pot. Et c'est lui qui va être le roi. Alors le roi, il regarde, il fait, taisez-vous, s'il vous plaît. Je sais que vous avez tous triché. Alors tout le monde dit, mais non, on n'a pas triché, nous. Mais non, on ne va jamais faire ça. Et le roi, il fait, si, si, vous avez triché. Vous savez pourquoi? Alors tout le monde fait, non, non, on ne sait pas pourquoi. Parce que les graines que je vous ai données, c'était des graines stériles. Donc, ça ne pouvait pas donner de plantes. Et tous les jeunes étaient, ah non, mais non, roi, on ne va jamais faire ça, on ne va jamais faire ça. Peut-être que vous vous êtes trompés. Alors le roi leur a dit, non, je ne me suis pas trompée. Moi-même, j'étais agriculteur, donc je savais quelles graines allaient pousser et quelles graines n'allaient pas pousser. Donc, tout le monde, tous ceux qui sont dans la salle, vous avez tous triché, à part Théva. Parce que Théva a essayé de planter la graine que le roi a donnée. Donc, la morale de l'histoire, les enfants, même s'il y a dans la vie, il y a des obstacles, ne perdez pas confiance en Dieu et ne trichez surtout pas, parce qu'on va le savoir un jour. Voilà, merci. Thank you.
Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions chanter notre reconnaissance à ce Jésus en qui, eh bien, nous avons la vie. Reçois notre reconnaissance pour ta venue, pour ton amour, pour ton salut. Bonne nouvelle selon Marc au chapitre 14 à partir du verset 22. Pendant que Jésus et les 12 mangeaient, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau. » Dans le royaume de Dieu.
Le pain est présent dans pratiquement toutes les cultures du monde. Il est souvent considéré comme étant l'aliment de base. Un simple mélange de farine, d'eau, d'air et pétri manuellement ou mécaniquement permet de décliner une grande variété de pains. Nourriture solide, le pain est une denrée de première importance dans tout le Proche-Orient ancien. Il est symbole d'abondance, de vie, de bénédiction. Présent lors de différents rites religieux, il sera aussi au menu du repas de Pâques, mais dépourvu de levure. Pourtant, il arrive que celui-ci vienne à manquer, comme pour la veuve de Sarepta, à qui il ne restait qu'un peu d'huile et de farine et qui voyait déjà sa mort approcher, ou qu'il n'y en ait pas assez pour être partagé, comme ce garçon qui avait que 5 petits pains et ses poissons. Que faire ? Peut-être vaudrait-il mieux le garder. Jésus dira être le pain de vie. En l'acceptant dans nos vies, nous entrons dans une nouvelle économie. Car le pain que Jésus nous donne se multiplie à mesure qu'on le donne. Voué à être partagé, tenter de le conserver trop longtemps, c'est risquer de le voir se détériorer. Si accepter ce pain, c'est participer à la mort du Christ, il nous donne droit aux grâces qui découlent de ce don que tout disciple devrait s'approprier. Nourriture nécessaire à la vie, Jésus incitera ses disciples à le réclamer chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. Y a-t-il du pain dans votre maison? Quelle que soit votre réponse, n'hésitez pas à prendre et à manger de ce pain-là. Ce pain de vie, vous n'êtes ni trop pauvre pour le partager, ni trop riche pour l'accepter. Soyez reconnaissant pour celui que l'on vous offrira, en appréciant les différentes formes, couleurs, saveurs qu'ils peuvent avoir, car il reste avant tout un geste d'amour et d'amitié. Je vous invite à incliner votre tête pour une prière. Père éternel, Créateur du ciel et la terre, toi qui donnes du pain de la vie, toi qui es la vie, oui, Seigneur. Nous sommes ce matin prosternés devant toi pour te dire pardon. Pardon pour tant de fois nous avons erré ou nous avons couru chercher notre pain ailleurs, loin de toi. Nous sommes ici ce matin pour te dire pardon, Seigneur. Pardon. Pour tant de fois, avoir quitté chez toi pour chercher notre pain ailleurs. Seigneur, viens au secours de chacun de nous ce matin. Sois une pain vivante. Oui, une pain vivante pour chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à partager ce pain
que toi, par intermède de ta parole. Nous voulons tout simplement te dire, Seigneur, viens être avec chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.
Jésus a rassemblé ses disciples pour une dernière fois, il leur a expliqué que la prochaine fois, il prendrait ce repas dans le royaume de Dieu. Il a donné ces symboles comme représentant le lieu du salut. Et lorsqu'il avait prié, rompu et distribué ce pain, il leur a dit « Mangez-en tous, car ceci représente le corps que j'ai donné pour votre salut. » Amen. Lorsque le bon samaritain vit ce corps allongé sur le bas-côté de la route, il ne put s'empêcher de s'approcher, de s'émouvoir de la condition de cet homme et de lui porter assistance. Quelque temps plus tard, alors que la nuit était déjà bien avancée, que les lampes à huile commençaient à vaciller et les ombres à s'allonger, cet homme secourut était allongé dans le coin d'une petite chambre, vétuste, mais confortable. Ses côtes, brisées, rendaient sa respiration rauque et difficile. Les yeux absents, à demi ouverts, ne savaient cacher la douleur qui burinait le visage et faisait frissonner tout son corps. Il n'en était pas passé très loin. Pendant ce qui lui avait semblé être une éternité, il avait voulu mourir, car il avait tout perdu. Ses biens, son argent, même sa dignité. Trahi par ses frères, son propre sang, son propre peuple. Sans cet inconnu, cet étranger, ce samaritain, cette espèce de... Comment le qualifier, ce surprenant sauveur ? Ce qui est sûr, c'est qu'auparavant, il n'en aurait pas fait grand cas. Cependant, sans ce surprenant sauveur, à l'heure qu'il est, il serait déjà mort. Comme cet homme, j'ai souvent du mal à identifier et à qualifier mon sauveur. Dieu aurait pu rester dans son ciel et, comme le firent le prêtre, le lévite et le scribe, détourner les yeux de mon humanité agressée, blessée, mourante, aveuglée par la méchanceté et le péché. Le diable avait bien fait son boulot. Oui, il avait bien fait son job. En rendant la race humaine orpheline. Pourtant, Dieu fit le choix de s'approcher de nous, de moi, de toi, en nous envoyant son Fils unique payer le prix de notre rédemption. Jésus, tout puissant qu'il était, n'a pas hésité à s'approcher et à faire de nous ses prochains. Il a donné son sang pour guérir nos blessures, son esprit pour nous conduire et son pardon pour panser nos plaies. Il s'est abaissé jusqu'à se livrer entièrement pour nous, afin que nous puissions retrouver la joie, la générosité et la compassion. Le sang, c'est la vie. Et sa vie, il nous l'offre sans cesse,
car il nous aime et nous protège à chaque instant. Cet amour souhaite s'implanter et se greffer en nous, afin que nous puissions avoir la chance d'une nouvelle vie. Il ne se contente pas de payer le prix de notre établissement, non. Il souhaite payer le prix de notre rédemption, c'est-à-dire que nous puissions retrouver notre liberté face au mal. Comme pour le Samaritain, son intérêt pour nos vies dépasse l'urgence du moment. Il ne se contente pas de répondre à une crise qui fait désordre. Il n'impose ni numerus clausus, ni quota pour garantir sa tranquillité. Il est venu, il nous a vus et il nous a aimés. Son alliance, c'est l'accueil de tous, de tous les éclopés, de tous les blessés, de tous les rejetés, de tous les malades, de tous les souffrants ou simplement de tous ceux qui sont égarés. C'est véritablement l'accueil de tous dans son royaume, dans sa maison, dans son cœur, au sein de sa famille. La seule règle pour y vivre, c'est d'accepter sans réserve son amour dans nos vies. Le jus de raisin que nous allons boire est le symbole de cet engagement que nous prenons à son égard. Je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Notre tendre et amante Père, ta bonté n'a pas de fin. Ton amour est d'éternité en éternité. C'est sous ton amour que nous comptons, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin. Pour te dire merci. Merci pour ton sang qui t'a délivré pour chacun de nous. Seigneur, merci de encore une fois sceller une alliance nouvelle que tu veux ce matin établir avec chacun de nous. Merci Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter. Merci parce que nous pouvons espérer. Espérer ici et maintenant. Rebâtir à nouveau avec toi. Espérer aussi partager ces moments avec toi lorsque tu viendras établir ton royaume à tout jamais. C'est au nom de Jésus que nous te remercions. Amen.
Comme les récits nous le rappellent, Jésus participait à une fête religieuse, la Pâque, qui symbolisait cette délivrance que Dieu avait accordée à son peuple. Et il y avait de multiples symboles sur la table. Il y avait plusieurs coupes aussi. N'a pas choisi la première, la deuxième, la troisième ou plus. Il a choisi ce qui était dans une coupe, qui lui a paru représenter ce sang versé pour l'humanité. Et lorsque les disciples ont été attentifs à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, il les a invités à réfléchir à ses paroles et il leur a dit « Prenez, ceci est le sang versé pour le pardon de vos péchés. » Il nous invite à faire de même en pensant à ce qu'il a réalisé pour nous durant ce week-end de Pâques. Buvons-en tous. À toi la gloire au ressuscité. Je vous invite à vous mettre debout et que nous puissions ensemble chanter ces paroles avec force. C'est un chant de victoire. Thank you.
Comment ne pas avoir envie de partager ce que le Seigneur nous a enseigné, tant d'amour, tant de bonté, tant de beauté. Et nous avons l'occasion de participer maintenant, avec les dîmes, avec les offrandes, à cette propagation de cet évangile éternel. Merci au service diaconal de passer dans les rangs pour récolter nos offrandes. Notre Dieu, tout-puissant, tout-présent et plein d'amour, merci parce que tu nous as permis de partager ces symboles que tu as toi-même choisis pour nous dire quelque chose. Pour nous dire d'abord de cesser de nous quereller, de cesser de nous battre, de vouloir être les premiers. Tu nous as invités à te suivre, à nous abaisser, à servir comme tu as servi, à aimer comme tu as aimé. Par ces quelques argents, nous voulons aussi dire à l'autre la même chose, le même message que tu nous as donné. Et que par ces moyens, par notre contact, notre témoignage et nos moyens financiers, nous puissions attirer beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes à toi. Nous sommes faibles, nous ne savons pas toujours comment faire, mais aide-nous à vivre en harmonie avec ta vie et à être de véritables prédications vivantes pour celui ou celle que nous rencontrons. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allons avec la paix que le Seigneur nous accorde. Amen.